Bonsoir, si vous nous rejoignez, c'est l'autre journal, l'actu vu autrement par la rédaction d'Espace TV. C'est votre télédélire du week-end sur la télé d'une autre planète. Nous sommes aujourd'hui samedi 2 novembre 2019 et au menu, l'accueil du président Alpha Condé ce jeudi à Conakry après sa tournée européenne Moscou, Paris, Ankara. Le chef de l'État guinéen a drainé la foule de l'aéroport au palais du peuple. Ils étaient combien? Nous ne disposons aucun chiffre. Ils étaient nombreux, nous y avions pris part. Le combat pour la défense de la constitution guinéenne s'exporte au-delà de nos frontières. Au Sénégal, des organisations de la société civile rejoignent le mouvement via l'antenne Dakar du FNDC. C'est un combat que doivent mener tous les Africains, nous a laissé entendre Fadel Barrault de Yanamar. Il est intelligent, dit-on, il est audacieux, mais il a aussi le don de se créer des ennuis et d'enflammer la toile. Le député UFDG Ousmane Gawal, en France la semaine dernière, a encore fait parler de lui en tenant des propos creux et pénétrants à l'encontre du président Alpha Condé. Il a dit ceci, et c'était à une manifestation de l'antenne France du Front National pour la défense de la Constitution. Il a exprimé le souhait de mourir président, on va l'aider, mais ce sera avant 2020. Parce qu'il n'est pas interdit de tuer des présidents. Ah oui. Il n'est pas interdit que des présidents meurent. Oui. De toutes les manières, à la fin de son mandat, le peuple aura toute la légitimité de se débarrasser d'Alpha Condé et son système. Bravo. Ceci n'est pas un secret. Nous ne cachons pas nos visages, nous nous exprimons. Lorsque vous violez les lois de la République, vous êtes un délinquant. Lorsque vous violez la Constitution sous le parjure, vous êtes passible de tout ce que le peuple veut vous faire. Le peuple est le seul instrument souverain dans une nation. Et malheureusement, c'est le visage du discours politique actuellement en Guinée. Le concerné, joint par les médias locaux, a justifié ses propos par ceux tenus par le président guinéen lui-même lors d'un récent déplacement en province. Voilà pourquoi quand on est président, il faut toujours donner de bons exemples. Ousmane Gawal a appris de vous, monsieur le président. Excusez-moi, mais ça ne me fait pas rire. Ousmane Gawal, ses propos étaient un peu de trop. Il n'engageait que lui, encore lui et personne d'autre, nous ont laissé entendre les membres du Front National pour la défense de la Constitution. C'était lors d'une manifestation du FNDC, mais cela ne veut pas dire qu'il parle au nom du FNDC. Les canaux de communication du FNDC sont connus, ceux qui portent la voix du FNDC sont connus. Mais moi, personnellement, je condamne ce type de propos, ces propos belliqueux, que ce soit celui de Ousmane Gawal, que ce soit celui du président de la République. Ce n'est pas l'esprit du FNDC. Comme vous le savez, depuis le FNDC a été créé, nous sommes dans l'esprit de l'apaisement. Maître Abdoul Kabele Camara, ancien ministre et aujourd'hui président d'un parti politique, le RGD, a réagi à ces propos du député. Écoutez, je n'ai rien à dire à propos des déclarations ou des affirmations de M. Ousmane Gawal. D'ailleurs, je ne l'ai pas suivi et je ne sais pas exactement ce qu'il a dit. Maître Kabele, non, vous plaisantez. On a du mal à vous cerner, monsieur. Vous la jouez parfois un peu discret, parfois pas. Vous savez, certains pensent même que vous êtes un espion du parti au pouvoir dans l'opposition. Ouh, espion, c'est trop fort. Écoutez, je ne suis pas de la mouvance présidentielle. Je ne suis pas de l'opposition. J'assure le leadership du RGD. Et j'ai pris toute ma responsabilité et je l'assume entièrement. Je ne suis l'espion de personne. Vous voyez être l'espion de quelqu'un ou d'un camp ou d'un président? Alors là, c'est ramener vraiment Maître Kabele au fond du trou. Pas la peine de vous fâcher, c'était juste une question. Allez, souriez un peu, c'est bon pour votre santé. Voilà. Oh, pardon, maître. On apprend que vous n'étiez pas à la marche du FNDC le 24 octobre dernier. Vous étiez où? Mais le 24, vous ne m'avez pas vu devant? C'est vrai? J'étais là, au milieu. Ok. Merci, maître. Je vous remercie. À Dakar, le mouvement Yanamar soutient le FNDC Sénégal. Fadel Barrault pense que c'est un combat qui concerne tous les Africains. Nous allons l'écouter. Il n'y a pas de micro, il va falloir bien écouter. On s'écoute. Pardon, pause. S'il vous plaît, faites pas attention à l'erreur de signature, fonds et défense. Hein. Fadel, tu peux aller. Nous avons pris l'initiative, plusieurs organisations de la société civile, en collaboration avec le FNDC Sénégal
avec nos frères guinéens, d'inviter à cette conférence de presse pour manifester d'abord notre soutien et s'exprimer avec les Guinéens qui vivent parmi nous notre indignation et annoncer le programme qui va s'en suivre en soutien à ce peuple guinéen qui aujourd'hui, comme tout le monde le sait, est en proie à la déstabilisation et en proie à une régression démocratique par le fait de décisions démocraticistes dont la seule personne responsable, c'est le président Alpha Condé. Il n'y a que le FNDC a du mal à perpétuer sa marque, les manifestations sur le sol sénégalais. Alors, à la préfecture du Dakar, on leur aurait dit qu'ils n'étaient pas chez eux et ils n'avaient pas le droit de s'exprimer, Fadel. Eh bien, nous, peuple sénégalais, nous répondons qu'ils sont chez eux. Les Guinéens sont chez eux. Et ils ont le droit. Et ils ont le droit de s'exprimer comme ils s'exprimeraient partout ailleurs dans le monde. Tout Africain, sur une portion quelconque du continent africain, est chez lui et il a le droit de s'exprimer. À Dakar, le FNDC est la combinaison de plusieurs mouvements guinéens soutenus par quelques structures sénégalaises. Fadel, tu as la liste? Il s'agit du mouvement Servir la Guinée, du mouvement Marie Fada, de Fegidex, de l'URDG, de UFR, de PADES, de Model, de Arwot, de Union pour la pour le Union fait la force. L'Union fait la force, de aussi la moyenne Guinée, entre autres organisations. Alors, comment ça va se passer? Nous sensibiliserons les Sénégalais sur cela. Et cela va être bouclé par une manifestation des forces vives sénégalaises avec les Guinéens à la place de l'obélisque le 2 novembre prochain. Exprimez-vous chez vous, une pause pub pour vous accompagner. On revient juste après pour nous exprimer dans la deuxième partie. A tout de suite.